Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, ce que je vous conseille c'est de faire comme moi. Vous vous posez avec un bol de lait, un bol de café ou ce que vous voulez. Prenez des petits gâteaux et écoutez tout simplement la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et la vidéo démarre. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'ai organisé, le jeu concours. Trop bon. Le jeu concours que j'ai organisé, qui a été gagné d'ailleurs par une personne, et je vous mets les preuves, donc les photos, je vous les mets. Alors, vraiment, je faisais gagner justement, il fallait juste répondre, c'était quelle vidéo que j'ai fait apparaître Jump en toute première, dans laquelle vidéo la toute première. Et c'était oui, c'était bien la réponse suivante, c'était comment avoir une bonne marche au pied avec son chien en laisse. C'était la toute première vidéo qui datait d'il y a 4 ans. J'ai pas voulu pour le premier jeu concours, je voulais pas faire un truc trop dur. Au début j'allais vous poser une question sur des critères d'un chien et tout ça. Quelle race, je sais pas, a commencé à exister en 1850. Là, pour trouver, vous auriez mis beaucoup de temps. Donc j'ai dit non, écoute, on va pas faire ça, on va faire une question basique pour que ce soit facile, que tout le monde ait la même chance. Donc il fallait répondre en public et tout ça. Et à la suite de ça, il fallait après que le tout premier qui a la bonne réponse, et il m'envoyait après tout ce qui est coordonnées, code postal, adresse et tout ça pour recevoir le cadeau. Ce qui a été fait, c'est pour ça que je vous ai mis les photos là. Il n'y a personne pour en attester dans les commentaires que il a bien reçu ces cadeaux. Et j'ai fait quelque chose d'exceptionnel que normalement je ne devais pas faire. Mais j'ai réfléchi et comme cette personne, il m'a dit que sa fille était fan de Jump et de ce qu'on faisait. Alors, de son jeune âge, ce qui est déjà incroyable, et qu'elle retient très bien et tout ça, j'ai décidé exceptionnellement d'offrir un deuxième cadeau. Donc la personne, justement, elle s'est demandé aussi savoir est-ce que ça allait être vrai, parce qu'on m'a dit qu'apparemment, il y a beaucoup de youtubeurs qui promettaient des choses, mais qui ne les faisaient pas forcément. Mais moi, j'ai qu'une parole, donc je l'ai fait. Bon. Je ne verrai pas pourquoi je mentirais, tu vois. C'est soit tu es quelqu'un dans la vie qui a des principes et des valeurs, tu respectes tes engagements, ce que tu dis, tout ça. Soit tu dis rien. Malheureusement, apparemment, il y a des gens qui font des promesses sur Internet ou quoi que ce soit pour faire gagner des choses. Au final, la personne qui a bien répondu à la question, elle ne reçoit jamais son cadeau. Donc, c'est de l'arnaque. Mais non, cette personne, j'ai même demandé d'envoyer une photo et tout ça pour que, auprès de la société, je confirme qu'elle a bien reçu son cadeau et tout ça. Et voilà, comme coach, j'ai bien respecté ma parole et tout parce que je n'ai qu'une parole sur ça. Bien sûr, le prochain jeu concours, ce sera un truc un peu plus élevé. Mais là, il m'a dit que ça lui a fait super plaisir. Même sa petite fille était super contente de recevoir ce cadeau. Et si ça vous a fait plaisir, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire, et je voulais un peu expliquer tout ça au niveau de personnes qui ont certaines craintes. Et rassurez-vous, une fois que vous avez bien reçu votre commande, vos coordonnées, code postal, adresse et tout ça sont supprimés. Capture d'écran à l'appui, c'est-à-dire que une fois que même la commande elle est effectuée et tout ça, je vous envoie une capture d'écran. Ensuite, une fois que tout ça est fait, dès que vous avez reçu votre cadeau, je refais une capture d'écran pour vous attester. Vous voyez que vous avez une preuve comme quoi vos coordonnées et tout ça ont bien été supprimées. Parce que voilà, au moins, vous êtes rassuré, je suis rassuré, voilà. Et au moins, il n'y a pas de problème ou quoi. Et d'ailleurs, il ne doit pas y en avoir. C'est pour ça que je tiens autant à être franc auprès des gens envers qui je m'engage. Pour ça que vous avez des preuves et tout matériel comme quoi vous allez avoir aucun souci.
Un peu comme si vous commandiez sur Amazon ou d'autres plateformes, vous donnez vos coordonnées, tout ça. Mais à part que Amazon ou quoi, quand vous faites enregistrer, voilà, ils gardent. Mais moi, du coup, je les garde pas. C'est pour ça que je teste en vous envoyant une capture d'écran, pardon, pour vous confirmer que je ne les garde pas. Donc voilà. Ah, aussi, petit conseil du jour, bah, il y a quelqu'un qui a cru me carotte il y a 2 jours pour du travail. Et on m'a expliqué combien on allait payer, tout ça. Bah. Mais cette personne, bah, ces gens, bah, justement pour ceux qui sont plus jeunes que moi ou quoi, qui regardent les vidéos, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous devez vous laisser avoir. Je vais expliquer. Alors, parce que vous êtes jeune, ils vont croire qu'ils peuvent vous sous-payer. Mais ne vous lancez pas, ne dites pas oui à la va-vite ou quoi. Renseignez-vous des tarifs ou ce que vous voulez. Et ensuite, dites une réponse positive ou négative ou négociez les termes du contrat. Ah. D'ailleurs, à titre d'exemple, je parlais par exemple business, chiffre d'affaires, clientèle, trésorerie et tout ça avec le patron de mon auto-école. Et il m'a dit, oui, mais t'as que 19 ans, c'est hallucinant. Il dit, tu t'intéresses à tout ça, il dit, et tu connais des trucs alors que t'as que 19 ans. C'est juste que si vous voulez ne pas vous faire avoir et que certaines personnes abusent de votre gentillesse et tout, ou quoi, de votre main d'œuvre tout simplement, renseignez-vous sur les choses et tout ça pour ne pas vous faire avoir. Donc c'est ce conseil. Moi, on a essayé de me carotte tout simplement il y a 2 jours. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Donc sur ce, bonne vidéo. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, suivez-nous sur Facebook, Apprenti Dog, Instagram, db-du-bas, YTB, pardon. Cette vidéo était plutôt longue, mais je vous remercie ceux qui la suivront jusqu'au bout. C'était Apprenti Dog.